Toutes ces prédictions climatiques ayant jugé à défaut les capacités rafraîchissantes de la couverture nuageuse, c'est encore fait enfler. Et donc, il semblerait en plus que l'activité humaine va renforcer ce phénomène rafraîchissant dans les parties arctiques de la planète, au pôle. Bien. Fermeture d'observatoire solaire au Nouveau-Mexique. Il a réouvert après avoir été clos par les autorités pendant 10 jours. Mettons ceci tout de suite au clair. Les scientifiques disent que les aliens ne sont pas mis en cause. Le 6 septembre, le Sunspot Solar Observatory a été soudainement fermé par l'Association des universités pour la recherche en astronomie, un consortium qui s'en sert sans aucune explication publique. Ont-ils donc fermé cet observatoire? Le FBI refuse de nous dire ce qui se passe. Le shérif dit que nous avions sur place à l'Alamo Gordo Daily News des gens qui ont dit que nous devions rester tranquilles pendant qu'ils l'évacuaient. Il y avait un hélicoptère noir, un Black Hawk, et énormément de gens, enfin tout un paquet de gens autour des antennes. Et des équipes de travail sur les tours, mais personne ne voulait rien nous dire. À part ça, les scientifiques ont dit que les aliens n'avaient rien à voir. Alors, en fait, qu'en savent-ils? Puis vous connaissez un scientifique qui va dire le contraire de ce qu'on lui a dit de dire, et qui le lendemain va essayer de retrouver du travail quelque part. Vraiment, vous en connaissez combien? Ah, vous en connaissez qui sont payés en fait par la CIA? Oui, ça limite les intermédiaires, vous voulez dire. Bon, il faut bien comprendre aussi qu'il y a un petit vice de procédure, on va dire, parce qu'en américain, alien, ça veut dire autant étranger venant de la frontière d'à côté. Pardon, qu'alien en tant que ziti, qu'extraterrestre, tel que moi je l'entends par contre. Parce qu'il y avait aussi la suspicion d'interaction avec les services secrets chinois autour de ces cryptages, codages, télescopes. Je ne sais pas si ça a un rapport avec les satellites qui sont en carafe. Ce serait marrant, parce que c'est 2x7. Des unités qui sont en carafe d'un côté comme de l'autre. Mais bon, de toute façon, donc, c'est là-bas. Cet observatoire vient de réouvrir. Et puis, les satellites, ils ne sont pas en carafe. Ils ont juste changé de propriétaire, on va dire. Ah bon. Donc, voilà, c'était un petit flash info. Grain de sel. Salut.